savait qu'on avait de la qualité dans le noyau. La petite, on n'avait pas argent. Donc on a joué avec Revluc, qui est notre caméraman habituel, qui a encore même joué la petite boule dans sa jeunesse. Et qui continue à jouer à la rythme. Donc il a fait un excellent match. Donc je pense qu'il fait partie des hommes importants dans la victoire. Alors, dans le coin, mais qui s'assimile à une victoire. C'était mené, il faut l'avouer, c'est le match. Ils ont eu plus de rage, plus d'envie d'aller chercher la victoire. Ça a tourné en deuxième mi-temps, oui, mais de toute façon, nous, c'était un peu ce qu'on cherchait. Hein. On voulait commencer un peu lentement, trouver un full rythme, pas tout donner le premier mi-temps. Donc, j'aime bien d'endormir le match, et puis après, deuxième mi-temps, ça part. Donc je pense qu'aujourd'hui on a joué comme avec le noyau qu'on avait, on peut faire beaucoup plus, on fait une très très belle équipe, renforcée des joueurs de l'Union Belge. On les a respectés, je pense qu'ils nous respectent aussi. Et puis le but d'endormir, je crois que c'était d'accord pour nous. Un point qu'il faut marquer, c'est le fair play, le respect. Comme tu disais, le respect, mais le fair play. Parce qu'il y a eu un monde qu'on n'a pas très bien compris, ni moi, ni bien qui tombait derrière. On n'a rien capté. Et puis après, vous les laissez marquer. Ah, mais Thomas n'a pas compris qu'on lui rentre le ballon et qu'il joue le jeu, c'est logique qu'on le laisse marquer. Oui, voilà, le respect, je pense qu'on a une équipe qui est très respectueuse de l'adversaire. Parce que dans le sens du championnat, on l'a montré. On a eu deux matchs, ça a été autrement. Voilà, je pense qu'on a eu des erreurs d'arbitrage qui nous ont poussé à être un peu moins effectifs, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on reste un peu assez complet. Aujourd'hui, on a été comme d'habitude. Alors, playoff, on y est. Non, parce que nous, je pense qu'on va du clair par rapport au playoff, c'est pas ça, c'est dommage parce qu'on a perdu des points bêtement contre le bas de classement, là c'est nous. Et puis dans les derniers matchs, on a été fortement handicapé par des décisions d'arbitrage. Donc on le paye cher. Maintenant voilà, c'est à nous de. On va de toute façon venir avec le comité pour voir ce qu'on fait à l'avenir. Sinon voilà, c'est une saison qui a un joueur avec nous parce que je pense qu'on devrait revendiquer beaucoup plus de choses avec le noyau qu'on avait. C'est un peu dommage, voilà, c'est comme ça. On va pas. Voilà. La semaine prochaine, tu reçois? Non, on ne joue pas deux semaines et puis on jouera le dernier match contre Anessens à domicile. Donc c'était le dernier déplacement. Voilà, on est venu avec beaucoup de joueurs malades, beaucoup de joueurs blessés, on était vraiment, mais bon, je pense que les 6 présents ont fait vraiment du bon taf. Et des fois, c'est un avantage de jouer avec un petit noyau parce que les joueurs sont vraiment dans le match. Aujourd'hui, ben voilà, c'est ça qui s'est passé. Merci, c'est ça.